Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, vous êtes bien sur la chaîne Les Jeux du Cygne et on continue notre let's play de Diluvian Winds. Alors, avant de reprendre, je tiens à préciser que j'ai dû refaire la journée 9 en off, qui était la dernière journée qu'on a faite, tout simplement parce que je n'avais pas vu que ça n'avait pas sauvegardé à la fin de la journée, mais au début de celle-ci. Du coup, on a des petits changements au niveau des personnages. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait les mêmes races, mais du coup, ils n'ont pas les mêmes traits. On va voir, puisque on va attaquer le chapitre 1, quelle incidence cela pourra avoir. C'est parti! Donc comme je le disais, on s'était laissé sur cet écran-là qui nous disait on a fini le chapitre 0. Et quand on passe au jour 10. La mer a besoin d'un bon coup de nettoyage. Qu'est-ce que vous regardez, gardien? Il y a des débris qui flottent en dessous du phare. Vous avez une bonne vue? Je me demande si on pourrait pas descendre en récupérer quelques-uns. Qui sait ce que la mer a encore emporté? Gardien, c'est dangereux! Les vagues sont puissantes et les rochers de vrais rasoirs! C'est bien. Peut-être qu'avec une sorte de grue. Oui, bonne idée! Je vais m'en occuper. Ne descendez pas! Voilà, il nous suffit juste de rassembler les ressources nécessaires. Parfait, au travail. Et voilà donc le petit récapitulatif du jour 10. Comme je disais, la souris et le castor, j'ai réussi à en avoir une souris et un castor, mais pas les mêmes du coup. J'ai refait exactement les mêmes actions, donc on a les mêmes ressources, et du coup, on va avoir de la pluie et de la pluie. Et du coup, on nous demande de rassembler les ressources nécessaires pour la construction d'un filet de récupération. Donc on est une journée sans caravane. On passe la première étape. Et on passe du coup à la journée de construction. Donc on va pouvoir ajouter des ressources quand on veut, où on veut. On a toujours le fait qu'on n'a pas réparé tout ce qu'il fallait depuis la tempête, hein, parce qu'on a eu une seule journée d'arc-en-ciel. Donc il va falloir tranquillement penser à réparer ces deux choses-là. Ça serait bien d'avoir un logement supplémentaire pour avoir une personne de plus. Ça serait bien d'avoir un stockage ou un cellier. Mais c'est peut-être pas la priorité, tout ça. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir comment se débrouiller. Il va nous falloir du bois. Et donc pour ça, on a un castor qui va nous donner 26 de bois. Ah oui, et du coup, il a mangé des légumes farcis, il est pas très content. Ok. C'est con parce que du coup il a plus 3 de bonus végétarien mais moins 5 avec les légumes farcis. Ok. Limite il nous donne 31 de poissons. Il va nous falloir 2, donc 20 de bois tous les prochains jours. Ici c'est un stockage qui permet d'avoir 15 de plus. Pour le bois, le métal, le textile et l'huile. C'est pas ouf, hein, 15. Mais peut-être que ça ne pourrait être utile. Ça coûte 25 de bois. Et c'est constructif par les tortues qu'on n'a pas encore vues et les souris. Bah, Donc on peut pas le mettre là. Ok. On peut pas le mettre là. On peut pas le mettre là. Donc je vais le mettre là. Ce qui veut dire qu'il faudra le protéger lors des tempêtes. Que je le mette là ou là, ça change pas grand-chose. Et comme
La fois précédente, je préfère essayer d'avoir un petit étage pour gérer ça. Niveau nourriture, on pourrait s'en passer aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut, condition de faire des choses demain. Donc on a dit, avec lui ça fait 26 de bois, avec lui ça fait 23, et avec lui ça fait 18. Ouh là là, oui. Il a quoi comme malus? Fait qu'il ait une loutre. Ah, il est... Bah, pourtant il est heureux. Ils sont quoi? Ah, ils étaient végétariens aussi, les autres. Donc du coup... Oui, bah tu vas là. On va peut-être mettre une deuxième personne. Donc on a dit, lui, ça faisait 23. Ça fera 49. Ça sera pas si mal. Donc là, je peux pas renforcer quoi que ce soit. Et du coup, ma loutre, elle peut peut-être aller chercher du poisson qu'on mangera ce soir. On va être à plus 36, donc 18 plus 36, 52. Il faudra manger 20 de poisson. Ça se fait. Ça se fait tranquillement. Et comme ça, on devrait avoir déjà un petit peu de stockage, un petit peu de bois. Bah du coup, voir pour avoir les 120 de bois, parce que 120 c'est pas neutre. Donc, petit repas. On a dit qu'on allait manger du poisson à volonté. Et en plus, bah, il y a une recette qu'on ne connaît pas. Oui, ça pas forcément. Est-ce que si je rajoute un petit peu de... Non, bah je vais mettre full poisson. Lui va partir. Quand on ne sait pas. Ok, soupe de poisson, c'est pas ouf pour ce qu'on veut. Mais ça le fait. Ça nous fait une recette de plus. Donc le bois est descendu comme pas possible. Et du coup, on est à 50 sur 55. Ce qui est déjà pas mal. Je pourrais... Non, deux c'est suffisant pour que la caravane arrive. Ça sert pas forcément à ce que j'en mette trois pour qu'il soit plein. On va continuer à... Ah! Eh ben tout simplement, engranger du bois. Je pourrais en mettre trois éventuellement dans le filet. Hein, c'est l'objectif, hein, bien sûr. J'ai fait un stockage, mais... Le stockage est un peu contradictoire du coup avec l'objectif. Hein. Parce que l'idée de mon stockage c'était de pouvoir stocker du bois. Alors que justement, là je peux le mettre dans la... dans l'objectif. Donc on va avoir deux personnages qui vont partir. Et de la pluie et de la pluie. Donc encore plein de poissons. Des bonus pour le poisson. Donc j'y vais assez chill, hein. J'aime bien regarder les petites cinématiques. Du coup, il nous reste Cléo, notre castor, et Ex, notre souris. Je prendrais bien une loutre. Parce que la loutre, elle nous est pas mal utile. La souris est très sympa aussi. Mais un castor, ça sera peut-être mieux. Il est insectivore. Tiens, c'est marrant ça d'ailleurs, parce que j'ai fait... Non, j'ai pas fait de logement encore. Oui, j'ai pas fait de logement encore. Chaud, chaud. Brouillard, purée de pois. Je crois pas que ça soit du brouillard et de la purée de pois qu'on ait là. Je crois que c'était juste de la pluie. Pluie battante et pluie légère, c'est ça. Donc la caravane. Ah, voilà, il y a des actions que je n'ai pas vues. Donc souhaitez-vous continuer? Non, non, je veux faire mon action.
Ça fait un moment que les voyageurs du monde survivent au dérèglement climatique. Il semblerait qu'on a trouvé le moyen de consommer des ressources pour en produire d'autres de façon durable. Les prochains voyageurs pourront mettre à profit ces nouvelles connaissances dans nos nouveaux ateliers. Alors, est-ce qu'on fait un bonus de légumes, de poissons ou d'insectes pour notre petite souris? Pour notre petite souris. Ah oui, je voulais juste voir sa tronche. Bah, du coup, j'ai validé. C'est pas grave. Je voulais vérifier ça. Ouais, insecte au moins 3. C'est ce que je craignais. Et du coup, bah, oups. Peu dommage qu'on puisse pas voir la fiche de perso lors de ce genre d'évente. Tant pis pour moi! Du coup. On est parti, on va travailler. Donc on a toujours besoin de bois. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris des castors. Qui nous donne 30 et 33 de bois. On pourrait se passer de chercher de la nourriture aujourd'hui. On pourrait, par exemple, construire un logement. Et si je construis un logement, j'ai pile poil 32 bois, donc j'en perds 30. Et puis du coup, pas forcément la priorité pour aujourd'hui. J'aimerais bien réparer un peu. Si je répare. Ici c'est. Ouh là là, 30 planches pour blinder le stockage. Je m'en doutais un peu, mais bon, ça fait toujours mal de s'en rendre compte. Je vais pas forcément le renforcer pour l'instant. Je vais faire ça. Et il me reste Olivia, notre loutre. Elle a quoi? Elle sellier. Sellier, ça coûte 25. Ah, et sellier, ça pourrait se mettre en hauteur. Bah écoute, on va faire les deux. On va être complètement greedy là-dessus. Je vais faire. Oui, je peux le faire comme ça. Ce qui me permettrait de mettre un autre logement là. Je vais être greedy. On va prendre le temps pour faire le filet. À prendre le temps de bien réparer, de bien se préparer au prochain tsunami. Et du coup, bah, on va pouvoir manger un peu. Là, tout le monde est dans le bleu, c'est pas mal. Donc, on a un petit peu trop de bois. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce qu'on peut faire. Déjà, on va en cramer deux là. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à en mettre un petit peu dedans. Donc voilà, j'en mets 30. Ce qui fait qu'on a déjà fait un quart du filet de pêche. Et on passe à la suite. Donc, comme prévu, ça a bien descendu. On ravive notre feu pour qu'il soit quand même pas mal. On est au jour numéro 12, donc toujours de la pluie, hein. De pluie légère à pluie battante, on va passer tranquillement.
Et on aimerait bien que ça se passe comme ça chez nous, hein, parce que là, c'est un peu plutôt la canicule dans la vraie vie, avec des orages. Et ça, on s'en passerait bien. Alors, gardien, j'ai trouvé ceci en rangeant mon plan de travail. Je pense que sa place serait plutôt à la réserve. Alors, soit on accepte, on ne sait pas ce que c'est, soit on donne du moral à Olivia. Olivia qui a déjà pas mal de moral, donc on va dire merci. Et on a gagné 5 insectes. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de production. Production, production, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Commence à avoir quelque chose de grand, commence à avoir du stockage pour stocker plein de choses. Et on va peut-être cuisiner un peu, en tout cas faire en sorte d'avoir de la nourriture. Donc 35 de poisson, ça me paraît plus qu'acceptable, on va dire ça comme ça. Il nous faut du bois, du bois, du bois, du bois et du bois. Et on va pouvoir utiliser notre petite souris. Donc, on peut pas renforcer ici du coup, parce que je l'ai utilisé. Je pourrais renforcer là, mais on a dit que ça coûtait une blinde. Voilà, 30 bois qu'on n'a pas. Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt à renforcer en haut. On verra si c'est une erreur ou pas. Bah, je pourrais tout simplement aller. On va éviter de faire les insectes parce qu'on n'aime pas trop ça, mais un petit peu de légumes pour compléter. Devrait avoir pas mal de bois, hein. 59 de bois d'un coup. Sachant que notre feu diminue 2. On va peut-être pouvoir encore remettre 30 de bois aujourd'hui. Alors, bah, la bonne nouvelle, c'est que, mis à part là où on est plein, mais où on pourra aller tout à l'heure, mettre des choses. Ah, une recette qu'on connaît pas, qui nous permet de passer tout le monde en bleu. Il reste encore un certain nombre de recettes qu'on connaît pas, hein. On a vu que c'était finalement que de la combinatoire entre. Il y a quelque chose qu'on a mis en certaines quantités ou pas par rapport au reste. Donc, ça reste de la combinatoire. Je vais le prendre parce que ça permet de monter tout le monde en bleu. Et de découvrir un peu quelque chose. Bois plus 7, métal plus 3, moins de légumes, moins de poissons, moins d'insectes. Et un de morale en plus. Ok. Ce qui fait qu'ils sont super contents. Parfait. On va passer au feu. J'en profite aussi pour mettre. Là, je peux pas parce que la petite pop-up est dessus. Pour mettre des choses ici. Du coup, on peut en mettre facile 30 de nouveau. Voire même 40 ou 50, hein, puisque finalement ça sert pas à grand chose d'avoir de la réserve. Mais je préfère avoir un peu de réserve quand même, au cas où on ait des éventes qui nous permettent de faire des choses. On passe donc au jour 13. On va commencer à avoir de l'orage. Feu moins 3, donc on a largement l'intérêt de continuer à faire du stock de bois et surtout la caravane arrive. Donc on va devoir se séparer de certaines personnes et en prendre des nouvelles. Alors du coup, il nous reste Olivia, notre loutre, et Charlet, notre castor. On va avoir besoin de bois. Et on n'a aucun castor.
Il n'y a aucun trait qui est intéressant. Canicule, sécheresse, là, ça a aucun intérêt. Brouillard, purée de pois, ça n'a pas l'air d'être le trip non plus. Je vais relancer aussi. L'idée est d'essayer d'avoir un castor, hein, bien évidemment. Un ours. Mis à part la couleur, c'est le même ours, hein. Ah, un castor, c'est une loutre, mais. Est-ce qu'on prendrait pas un ours pour changer un peu, pour avoir des bonus d'insectes? Je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas, la loutre bois moins 3, c'est bof intéressant. Parce qu'il va nous falloir du bois. Donc on va prendre ces deux-là. Ou alors je profite. J'en ai déjà une de loutre. Non, j'en ai déjà une de loutre. Je vais faire ce choix-là, qui est pas forcément le choix qui me plaît le plus, mais c'est le seul qu'on me propose d'intéressant. Pour essayer d'avoir un petit peu de diversité et de faire du stock de bois, puisque tout l'intérêt va être là, ces prochains jours. Donc, on est à la moitié, hein. On est à 60 sur 120, il suffirait de faire une quarantaine aujourd'hui, ça serait bon. Donc de toute façon, notre castor, on se pose pas la question, hein. Plus 38 de bois. Ce qui voudrait dire que si on n'alimente pas le feu, on est déjà bon. Or, on va l'alimenter, le feu, hein, c'est pas non plus. Alors, ici, Olivia nous donne 27. Edwin est tout nul. Et Bilal nous donne 20. Donc, on se pose pas la question. On prend Olivia. Même si elle donne moins 3 avec le fait qu'elle est loutre, le fait qu'elle ait mangé un curry de poisson et de légumes lui donne 7 de bonus. Donc on y va. On a dit qu'on profitait de notre ours pour manger des vers. Et j'aimerais toujours un peu renforcer, mais j'aimerais toujours aussi qu'on remplisse l'objectif, hein, puisque ça reste l'objectif. Donc, il va travailler pas au poisson, mais aux légumes, à la serre. C'est parti, on va se remplir un petit peu la panse. Du coup, que mange-t-on? Je me semble que j'ai des végétariens. Et je peux mettre. Ah, je peux mettre ça, par exemple. Je sais pas ce que c'est. Ça me permet de passer tout le monde dans le bleu. Des bonus de bois, d'huile, des malus d'insectes. Oui. C'est bien, mais c'est pas ouf. On va aller mettre nos ressources ici. Et on peut se permettre d'en mettre 60. Il me restera 27 pour alimenter le feu. Sachant qu'il va diminuer, il me semble, de 2. Et du coup, on sera avec un stock quasi nul, mais voilà! Il n'y a pas de quoi pêcher des poissons, mais des débris, des tonneaux, des caisses à la dérive! Oui! Le rivage ne sera plus aussi sale! Ça devrait atténuer notre sentiment d'impuissance face aux colères de la mer. Et voilà, on a notre petit filet de pêche. Le feu est fort et bien visible. Oui, le feu est fort et bien visible. Je t'en mets beaucoup parce que moins 2 et ensuite moins 3. J'ai vraiment pas envie de te voir être en panique à lui mettre 4 ou 5 d'un coup. Je préfère le maintenir assez haut pour que la caravane arrive tranquillement. Ah, et un évent.
J'ai remarqué que de nombreux insectes prolifèrent dans les bois, la nuit. Je pourrais essayer d'en attraper. Donc Bilal, notre ours, veut aller à la chasse aux insectes. S'il le fait, il aura moins 3 de morale. Et on aura 10 insectes. Bah, vu comment c'est dur à remonter le moral, va faire dodo, mon gars. Parce que le moral remonte avec la nourriture. Donc, pour seulement 10 insectes, ça me paraît quand même un petit peu dommage. On passe donc à la journée 14. Et on nous annonce un raz-de-marée niveau 1 pour dans 3 jours. Donc, on va devoir se préparer, ramasser du bois, renforcer nos bâtiments qui ont encore besoin d'être renforcés. Et on va aller voir ça tout de suite. Et on nous dit qu'il faudra assigner quelqu'un au filet. Donc il n'y a pas de caravane. On passe cette étape. Par contre, on nous propose du troc. J'ai trouvé ça en nettoyant les débris. Je peux le garder pour moi ou vous l'échanger contre autre chose si vous êtes intéressé. Je perds 5 de bois pour gagner on ne sait pas quoi. J'ai presque envie de tenter, même si 3 c'est rien du tout. Mais je... Allez, je suis joueuse. On gagne 3 d'huile. Nos premières huiles. Ok. Pourquoi pas? Donc, même punition que d'habitude, hein. On fait du bois. On fait 46. Ça devrait déjà nous aider pas mal. Ce qui veut dire que vu que j'en ai que 2, de toute façon, je peux pas l'utiliser tout de suite. On va avoir moins 2 de feu. Donc, mes 48 de bois vont se transformer en 28 à la fin de la journée. Donc je peux me permettre de mettre mon ours à faire de la nourriture. C'était nul ça. 11. J'ai bien vu. 11. Ah mais c'est tout pourri. Non mais... 11, sérieusement. Oui, bah non, mais on va faire du poisson, hein. Oh là là, le curry de légumes, il nous a foutu dans la panade. On peut pas renforcer parce qu'on n'a pas assez de bois. Hein. 5 de bois. On les a pas. Ici c'est occupé. Ici c'est occupé par une seule personne. Donc on peut rajouter une deuxième personne. 35 ici. 38 pour Edwin. Ce qui va faire qu'on va être à 86. Et on pourra mettre 30. Dans le bois, dans le feu, oui, dans le feu, tout à fait. Pour rien perdre, en fait. Attends, qu'est-ce que je dis? Je dis, on sera à 86. Oui, si on met 30, on va perdre 1. C'est peut-être un peu dommage, quand même, de mettre 30. Je préférerais avoir un peu de provision. Est-ce que du coup je le mettrais pas genre à faire des légumes ou du poisson tout nul? Il y en a un des deux qu'on va forcément mettre. Au filet, puisque c'est ce qu'on nous demande. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose qu'on fera avant de clôturer l'épisode, voir comment le filet fonctionne. Du coup, je vais peut-être faire ça comme ça. On a encore de la nourriture pour manger, hein, c'est pas un souci. En fait, je voudrais faire de la provision de bois pour pouvoir renforcer ça qui coûte super cher et ça qu'on n'a pas fait et qu'on fait que faire du bois on continue depuis plusieurs jours. Et du coup, on va le mettre au filet. On va voir ce qu'il en sort. On a trouvé des insectes. Ok.
Donc, on va les nourrir quand même. On n'est pas méchant à ce point-là. Oh, un petit repas qu'on n'a pas trouvé, qui nous met pas trop dans la panade. On y va. Ok, c'est pas si mal. Enfin, le bois moins 3 est un peu dommage, mais quand même. Donc on a dit qu'on mettait plein de bois dans le bois. Et voilà, on a fini le chapitre 1. En 5 jours, on a obtenu un filet. Voilà ce qui clôt notre épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous appréciez toujours autant découvrir les concepts du jeu Diluvian Winds. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment beaucoup cette petite histoire. J'ai vraiment hâte qu'on puisse faire des parties libres plus tard dans l'Early Access. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est déjà du super contenu de qualité, cette histoire. Avec ces petits chapitres, moi je suis super contente. Et vous savez également ce qui me rend super contente. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces. Vous savez que ça me rend contente. Alors, allez-y. Bye bye.